Mais papa, il y a un problème. Mon sexe a disparu. Ça va pas, non? Vous avez fait disparaître mon sexe. Écoutez, je rêve ou quoi? Ça va pas se passer. Foutez-moi la paix. Tu veux fuir? Attendez. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Je veux savoir ce qui se passe ici. On était assis côte à côte. Oui. Au moment où il est descendu, oui, il a tout fait pour me toucher. Alors? Et là, j'ai senti que mon sexe a disparu. Ah bon? Allez, fais voir. Fais voir quoi? Mais attends, descends-toi quand ils sont venus vérifier. Bon, on est entre garçons ici là. Ouais. Tu as peur de quoi? On dirait que comme je l'ai menacé, là, c'est revenu. Est-ce que tu sais que je vais te faire enfermer? Faire comme ça pour créer des problèmes de nous aux gens? Prends-moi des gens comme ça. Est-ce que le monsieur là, est-ce que c'est un Walkman? Ah! Walkman ou pas, cette histoire de sexe là, il faut arrêter. Sinon, comment un homme, un vrai, il a toujours son trou devant lui? Pourquoi ça va disparaître? Ou bien les gars? C'est ça. Ouais, il est là, il parle au hasard. Monsieur, partez. Ah, le DG. On va passer par là, il est là. Hein? Allez, bonjour. Oh, vraiment. Oumaki, ça ne va plus. Tous les jours, c'est la bagarre, les injures. Nous-mêmes, on en a marre. Mais comme Margot sait ça, elle insiste. Elle veut que nous on se décourage et qu'on parte. Mais nous on ne part pas. Ou bien elle n'a qu'à nous payer nos droits. Vous, Rachel, vous êtes la sœur de Madame Soupe, non? Ça m'étonne que vous soyez concernée par cette affaire. C'est ma sœur. Mais est-ce qu'elle tient compte de ça? D'accord, dites-moi. Vous voulez continuer à travailler avec elle? Si elle arrête de nous insulter devant les gens, oui. Si on laisse le travail là-haut, on va faire quoi? Nous aussi, on compte sur ça pour soutenir nos familles. Très bien. Dites-lui de venir me voir. D'accord? D'accord. Allez, bonne journée, les filles. Merci, DG. Au revoir. Alors, votre affaire est réglée? Mamie, oui. Je veux de l'argent. Il n'y a même pas de problème. Tiens, j'ai un billet de 2000 francs, ça te va? Je te parle d'argent. J'ai besoin de 700 000 francs. 700 000 francs? Je vais avoir ça où? C'est pour quoi faire? Je suis sur une affaire. Mais pour que ça marche, j'ai besoin de 700 000 francs. Il faut voir ta banque pour un crédit. Je ne peux plus rien avoir. Puisque j'ai déjà pris un crédit de 600 000 francs pour la même affaire la semaine passée. Attention, hein? Tu gaspilles. C'est quoi et puis tu dépenses comme ça? J'ai un correspondant hollandais qui collectionne des ordinateurs de seconde main et du matériel informatique. Tu sais, là-bas, ils n'en ont pas toujours besoin. Alors qu'ici, on peut toujours faire des affaires. Donc, il va m'envoyer ça et je vais ouvrir une boutique. Ah, alors là, pour celui-là, dit que c'est interdit. Ne t'en fais pas. Cette fois, j'ai mis le nom de mon frère. Mais tu ne connais pas quelqu'un qui peut me donner ça. Le conteneur arrive normalement la semaine prochaine. Donc, dans 2 semaines, je peux déjà rembourser. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je voudrais voir le DG, s'il vous plaît. Qui dois-je annoncer? Jérôme Ramba, je viens de Yako comme ça pour le voir. Ok. DG, il y a un monsieur qui vient de Yako et désire vous voir. Bien, DG. Vous pouvez rentrer. Merci, madame. Voilà, pour tes besoins d'argent, je vais voir ma fille. D'accord. Au
cours d'une marche organisée contre l'impunité par les élèves du secondaire de notre ville. Oui. Mon engin et celui de quelques-uns de mes collègues du service ont été saccagés et brûlés. Ah, ok. Alors qu'ils étaient entreposés à la résidence du haut-commissaire de la province. Aujourd'hui, ça ne suit pas. Je viens voir comment on peut m'aider. Bon, dites-moi, est-ce que après les troubles, vous avez fait des démarches pour demander à être dédommagé? Oui, DG. Nous avions d'abord saisi le haut-commissaire de la province. Oui. Puis la direction du contentieux et du recouvrement par lettre. Continuez. La direction du contentieux nous a suggéré de transmettre notre requête au ministère des Finances. Mm-hmm. Voici la référence. Oui. Cela fait bientôt 2 ans et nous n'avons pas reçu de réponse. C'est pourquoi je viens vous voir, DG. Moi, ma moto, je venais de l'avoir. Et jusqu'à présent, je paye toujours le crédit à la banque. Je ne sais pas comment faire pour avoir un autre engin. Oui, mais vous dites que votre moto a été brûlée au domicile du haut-commissaire. C'est ça. Votre service n'est pourtant pas là. Justement, DG, c'est par mesure de sécurité qu'on a garé nos motos là-bas. Et malheureusement, le domicile du haut-commissaire n'a pas échappé à la loi des casseurs. Voilà, c'est ça. Bon, écoutez, monsieur, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. D'accord? D'accord. Restez à l'écoute. Ok. Et bonne journée. Merci, DG. Alors, au revoir. Madame Zare. DG. Oui. C'est pas tous les jours on a la chance de venir dans votre bureau, hein. Asseyez-vous, je vous prie. Merci beaucoup. Oui. Comment allez-vous? Je vais bien, merci le DG, merci. Oh. J'ai entendu pourtant dire qu'au maquis, ça ne va pas très fort. Ce ne sont pas les deux sorcières là qui racontent ça, non? Faut pas les écouter. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles manquent de respect aux clients. Oui. Elles arrivent en retard. Et quand je leur fais des reproches, elles disent que je les humilie devant les clients. Mmh. Je fais comment? Mais il y a plus grave que ça, DG. Oui. Elles ont volé l'argent de ma tantine que je venais de récupérer. C'est pas vrai. DG, 200 000 francs. Vous vous rendez compte? Ah, là, c'est très grave. Oui, oui, oui. Bon, mais il y a peut-être moyen de s'entendre. Ça, là, je vous respecte beaucoup, DG. Mais ça va être difficile. Bon, Madame Zari. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'homme entre vous et la petite là? Peut-être de leur côté, DG. De mon côté, je n'ai pas de problème avec elles. Ah bon? Mm. Est-ce qu'elles sont payées régulièrement? Elles ont eu toujours leur argent au complet depuis tout le temps qu'elles sont chez moi. Voilà. Bon, écoutez, Madame Zari. Si vous voyez que vous ne pouvez plus travailler ensemble et qu'elles doivent partir, essayez de leur trouver à chacune une petite somme. Juste le temps de vivre en attendant de trouver autre chose à faire, quoi. C'est ça qu'elles appellent leur droit, là. Déjà, elles m'ont volé, là. Non, de grâce. Hein? Calmez-vous. Hein? Écoutez, s'il n'y a pas l'entente, mieux vaut se séparer en amis. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Déjà. Ah. Si c'est pas, c'est parce que vous me le demandez. Ah. En tout cas, moi, je ne peux pas aider les gens qui me volent, alors que je les ai nourris, je les ai logés, je les ai habillés. Attendez, Madame Zari, s'il vous plaît. Calmez-vous. Hein? Essayez de régler ça. Et la tranquillité va revenir au maquis. Ou bien? DG, hein? Je demande la route. Est-ce que je peux partir? Oui. Merci beaucoup, monsieur le DG. À la prochaine. Oui. Ah. Je suis de la DEGAF et je viens de la part de mon DG pour le dossier de M. Jérôme Rwamba et leurs collègues, dont les motos ont été brûlées lors des casses. Ils vous ont adressé une lettre qui n'a pas reçu de suite. Oui, mais il y a un fonds qui a été créé pour régler ce genre de problème et ils devraient introduire leur requête à ce niveau. Leur demande n'était plus recevable pour forclusion. Quand c'est un cas exceptionnel comme ça, c'est difficile pour nous de donner satisfaction. Mais les textes portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique au moment des faits
stipule que... Attendez, j'ai le texte avec moi ici. Je vais vous le lire. Mmh. Voilà, on va lire ensemble. Indépendamment de la protection qui leur est due en vertu de la loi pénale et des lois spéciales contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent faire l'objet, l'administration est tenue de protéger les agents de la fonction publique contre les actes préjudiciables dont ils sont victimes en raison, à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions. L'administration est tenue de réparer, le cas échéant, les dommages qui en résultent selon les modalités précisées par le décret. C'est bien ça? Oui, mais malheureusement, aucun décret d'application n'a été pris dans ce sens. Ce n'est pas de leur faute, ça? Je n'ai pas dit ça, monsieur. Mais je vous conseille vivement de bien vouloir procéder à la réparation des préjudices subis. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Et je vais en parler au patron, mais la simple lettre ne suffit pas. Mais qu'est-ce que vous faites encore? Il faut par exemple des preuves vérifiables, un devis, et des photographies du matériel endommagé. Oh, ce n'est pas un problème. Je pense qu'ils les ont. D'accord. Ok, donc on va faire ce que vous nous avez demandé. D'accord. Et voilà. Donc, ok, ça sera réglé. Au revoir, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Ok. Fleur? Oui, mamie? Tu voulais des sous, non? Oui. J'ai vu ma fille et son mari qui accepte de te prêter ça. Hey, mamie, tu as un âge. Je les rembourse le plus vite possible. Hey. Attends, j'appelle Amsterdam tout de suite. Hello, Andy. How are you? I have the money. Okay. Okay, I do it now. Thank you. Mamie, si dès je demande, tu dis que je suis allée voir mon docteur. Je file faire un transfert d'argent. Bonne chance. Merci. Bonjour, Monsieur Kaboré. Je vous appelle au sujet de votre dossier. L'administration a bien voulu consentir à réparer les préjudices subis. Et en effet, elle a porté à la connaissance de la DGAF que vous et vos collègues serez indemnisés. Alors là, je suis content. Vous ne savez pas comment je suis heureux, Monsieur Kaboré. Eh bien, tant mieux, tant mieux. Je me disais que je vais passer vous voir après. À quel sujet? Comme vous m'avez aidé. Dès que le ministère va verser les sous, je passerai vous voir. Écoutez, j'espère que vous allez utiliser ces sous pour vous acheter un engin rapidement. Le reste, ce n'est pas nécessaire. Je crois que ce n'est pas nécessaire de chercher à me voir. Bonne journée. Merci, Monsieur Kaboré. Allez, bonne journée, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Je suis foutue, mamie. Mais Fleur, tu es malade? Tu as perdu quelqu'un? Il y a quoi? Mon correspondant hollandais ne répond pas. Alors que je lui ai envoyé l'argent. Quoi? Comment tu l'as connu? Par Internet. Ça fait 3 jours que le conteneur devait arriver à Lomé. Le transit a dit que c'est une fausse affaire. Et puis, le numéro de mon correspondant ne répond pas. Et tu t'es laissé toi aussi avoir par ces délinquants-là? Quoi? Hein? Mais ce sont des délinquants, je te dis. Hein? Les gars sont à Tampuy ou à Zogna ici. Ils font comme s'ils sont loin. Ils utilisent des puces étrangères et travaillent avec des complices à l'étranger. Hein? Mais on t'a roulé dans la farine. Fallait m'en parler. Je suis foutue.
Et l'argent de ma fille. Oublie ça. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Hein? Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est faite anarquer sur Internet. Ah. 1 300 000. Ce n'est pas possible. Ah. Prochainement, c'est ton homme qu'on va arnaquer. Ah. Ah. Écoutez, si vous ne vous méfiez pas de Internet là, vous allez péter ici. Ouais. Attends, la fille là, notre voisine d'en face là. Et celle qui a accouché là. Oui. C'est sur Internet qu'elle s'est faite enceinte. Tu vois pas que la tête de son enfant ressemble à un disque dur externe? C'est vrai. C'est... Et même ses doigts là, on dirait des clés USB. Et moi, je pensais que c'était des trucs importants. On parle de ça tout le temps à la radio et puis vous n'écoutez pas. Bon, Madame Pouya, gérer cette situation. Ne recommence plus. Tu vois? Faut plus jamais recommencer ça. Tu as vu comment on t'a fait? Oui, allô? D'accord, on arrive. Merci. Adima. Oui? S'il te plaît, viens voir. Tu n'as pas que je suis occupée. Mais est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle? Hein? Allez, viens. Viens! Adima. La surprise. Ça va, jeune homme? Bonjour. La clé de la voiture. Merci. Allez. Pousse. Oui. C'est joli. Mais c'est petit. Pourquoi tu n'as pas acheté une X5 ou une Infinity? Alima, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein? Tu aurais quand même pu m'amener pour que je choisisse la couleur. Oui, mais c'est qu'avec toi, que je t'achète un train ou un avion, tu vas toujours trouver quelque chose à dire. Hein? Ah. Allez,